On se retrouve pour le deuxième épisode de Prélude. J'espère que vous allez bien. Nous, on va continuer tout simplement notre série de matchs. On va commencer notre vrai premier match. Mais avant tout, je voulais vous présenter un peu le système d'attributs de ce touquet. Donc, vous voyez, on a beaucoup plus de catégories qu'avant. Par contre, j'ai toujours pas trouvé la catégorie lancer franc. C'est un mystère. Vous voyez que les barres blanches, et là, on ne pourra pas aller au-delà. Donc moi, comme je suis tireur d'élite, je peux aller à fond à 3 points, c'est-à-dire 94. Tire mise en également, je peux aller à fond. Pour commencer, j'ai augmenté un petit peu à 3 points, on est pas 66, on double pas aussi, j'ai augmenté un petit peu. Bon, j'ai toujours l'incompréhension totale avec le niveau force et rebond, c'est du même niveau qu'organisation, alors qu'on est meneur. Je trouve ça vraiment dommage. Le rebond qui s'en bat les couilles, quoi. qui en a à faire alors qu'on est meneur. Je sais pas, même panier au poste, je peux être meilleur au poste qu'en passe. C'est n'importe quoi. On va continuer tout simplement. Donc voilà, ça c'est le menu de la boutique. Mais sur ce. On va. Si inventaire, je voulais voir, je voulais vous montrer. Donc là, c'est pour tout ce qui est animation. Donc, tir, je vais voir le tir qu'on avait. Oh, au cas où le changer. Voilà, alors là. Ok, on a déjà l'impression de bugger. On avait lequel? On avait le. Ah, quand on peut reprendre ce qu'il nous avait donné là. On prend celui-ci, lancer franc, ok. Est-ce qu'on a des dunks équipés? Je sais même pas si on peut dunker. Enfin, double pas en tout cas. Ah oui, si on peut dunker, d'accord. Bon, vas-y, on va en équiper. Hein. On va équiper tout ça. Et voilà. Et du coup c'est parti, on va pouvoir continuer. Je sais plus qui était notre premier match, je crois que c'est Wake Forest ou un truc comme ça. En tout cas on va bien voir. On joue contre UConn, tout simplement, dans notre premier match. Donc là on est en début de saison, la saison inversée ou... Ouais non. On est le 4 novembre, tout simplement. On est à domicile avec nos Sooners. Donc là, on aura toute la ferveur du public avec nous. UConn, cette saison, ils avaient personne. Alors, je sais pas où ils ont intégré. Bon, depuis Chabaz Napier, non, il n'y a plus personne à UConn. Buddy, forcément, le réalisateur s'attarde dessus. On a Claire Kellogg en commentateur. Et logiquement, on est dans le 5 majeur. Voilà, on est vraiment au poste de meneur. Et du coup, Albatar est passé en arrière. Je trouve qu'on rend plutôt bien avec notre face scan. Malgré les nombreuses tentatives. Oh, c'est fait! Oh, le get back! Oh là, je me suis dit, bon, c'est bon, il va y aller. Tout seul, et bah non. Double pas, il y va. Bah, double pas, il s'est fait bâcher. Comme une merde. Ouf, on lui met la pression. Par contre, il est beaucoup plus grand que nous. C'est-à-dire quoi ça? Ah, tu peux demander à qui fait la prise à deux. Ah, ça, c'est vraiment pas mal. C'est nouveau ça. Non. On va aller au rebond parce que personne n'y va. Oui, par contre, on avance vraiment à 2 à l'heure. C'est assez impressionnant. Alors, je sais pas si. Oh là là. Pour avoir une meilleure position à la draft, je sais pas s'il faut mieux avoir une bonne note ou c'est encore favoriser le scoring, même si on est meneur. Je sais pas trop comment ils se débrouillent. Parce que pour aller dans le top 3 de la draft, pour l'instant. Oh, bah, hey. On l'a vu, on est pour l'instant toujours choix de loterie. Donc, à voir. Par contre, t'as le bâtard, ce serait bien. On est bien là.
Oh, le 3 points. On était seul tout. Et on a planté. Marche dessus. À voir comme une merde. Merci mon gars. Merci la faute. Sinon on était... on était baisé. Donc on est sur de la mi-temps, de deux mi-temps de 6 minutes. Où tout le monde a la même chose. On a le rebond, Buddy, on t'a vu. Tiens. Oh là là, vous voyez, il va faire que de planter. Il va faire que de planter, Buddy. Mince, mince, mince. Les animes d'interception aussi ont complètement changé. On met des bonnes manchettes, mais la hitbox est beaucoup plus, plus ajustée et plus compréhensible. Hein. Ok, il est Keblo, il est Keblo. Ah non, il peut dérouler. My bad. Bon, par contre, il est vraiment Keblo. Hein. Oh là là, le sous-marin. Que c'était laid. Et dommage, on n'a pas eu le rebond. On aurait fini avec. On sera avec 3 rebonds. Pour l'instant, tout se passe bien pour nous. Hein. Oh, la porte, il y avait une grosse brèche là. C'est moi ou des upsteps, on peut pas du tout les faire. Bon, allez, un catch and shoot. Hein. Allez, hein, on continue. C'est notre spécialité. On en profite. Oui, du coup, on est forcément un top. Oh, je pars derrière. Mais non, le deuxième. Mais c'est quoi ça? Eh, fallait le savoir. Hein. On est intérieur ou quoi? Oh, je crois qu'on allait faire la claquette. C'est n'importe quoi. Non, mais ils vont croire qu'on est au final à l'intérieur. Hein. C'est pas possible. Hein. Et encore. Bon, on est partout. On est au four et au moulin. Elle est belle celle-là. Oh, c'est beau ça. Oh là là, la troisième passe D qui va bien. Ah bah, Yukon, on les a foutus sous le parquet là, on les a étouffés. Ouf, j'avais fait faute. Et t'en m'as eu forcément. 0%. Ah, c'est pas mal ça. On va sortir le score, je pense que ça va complètement s'inverser. Non, 24 à 3 à la mi-temps. Oh là, le blowout dès le début. Ah bah là, c'est bon, on a posé nos couilles, allez hop. 9 rebonds d'équipe, 8 passes. On est le joueur de la mi-temps, leur meilleur joueur. Il a 0 points, mais non. Oh, c'est ouf. Ah, les pauvres. Ils se font douiller sec, hein. Ils se font douiller sec. Oh, c'est bien fait ça. Oh, c'est joli. Voilà. Il a une belle paire d'intérieur en plus. C'est parfait ça. Oh, il est vraiment beaucoup plus grand lui. J'aimerais bien essayer de l'intercepter quand même. On va essayer de péter un petit Thomas en contre-attaque. Mais le contact, la pression est plus différente qu'avant. Hop là, je suis collé, j'aimerais bien me barrer, je peux pas. Là, peut-être lui. Ah, je me suis fait avoir comme un con. Oh, il rate. Qu'est-ce qu'on est chanceux en plus. Allez, Buddy, Buddy, derrière moi. Oh putain, il la met en plus. Ah, c'est risqué ça. C'était un peu forcé là-dessus, je cherchais la faute. Ah, des boules. Oh oui. Non. Oh, je l'avais intercepté. Accepté presque. On fait prise à deux. Oh non! Parce que. Ah, d'habitude, il tirait alors que là, il a feinté. Va falloir s'habituer à des réflexes de Touquet 16 qui ont dû être changés quand même. Et heureusement d'ailleurs. Ah oui, il m'aurait lâché un tir. Ah, j'aurais peut-être dû switcher. Ouais. C'est de ma faute. Enfin, leur premier panier. On va faire un spécial avec une arrière. Page. On est passé. Oh, le Thomas! Dans la peinture. Oh la main gauche en plus. Si ça, c'est pas beau. J'ai pas compris la défense de Yukon là-dessus. Je la comprends pas depuis le début d'ailleurs.
mais encore moins là-dessus. Non, ça en passe. Ah, GG. Sur les accélérations aussi, on est... Oh, bien joué ça. Oh là 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 là. Mais Yukon, ils sont où, sérieux? Les Huskies n'existent app, mais alors pas du tout. Déjà, lui, c'est pas son jour, alors en plus, il s'appelle Monsieur Jour. J'ai envie de dire, c'était mal barré à sa naissance, lui. Ah, dommage! Les rebonds aussi, je pense que ça va être plus compliqué. Déjà, dans tout cas, ça, c'était plus compliqué de prendre beaucoup de rebonds avec un meneur, mais là, je pense encore plus. On va lui lâcher un spin à lui. On va jouer au poste, hein. La logique. Non, attendez, on va refaire. Je vais pas avoir monopolisé la balle, mais là, faut que je refasse. Oh, c'est bien fait, ça. Ah, pas de balle! C'était plutôt bien fait. Et je sais pas du tout s'il faut que je score ou pas, donc je vais faire quand même essayer pas mal de passes D, parce qu'à la base je suis quand même meneur. Mais ça va, je trouve que le meneur tir extérieur, ça va, il est plutôt athlétique quand même, plutôt assez rapide et agile. Mais c'est sûr que là on pourra plus poster avec un meneur extérieur, ça c'est une certitude. Mince, ça c'est ma faute. He might not have the long range ability of some other guys, but he will knock down open ones like that. Par contre, on est vraiment, vraiment lent. Quand même, hein. Allez à la basse terre, là. Petit. Mais non! Putain, il me l'avait au moment où je voulais couper. Putain, il est con. Non, on sort en poste. Ah, on fait écran de retard. Écran. Oui, on l'a. Allez, on part en mode triple double. Buddy, buddy. Ah putain, buddy, il a pas accéléré du tout. Oh non, arrête. Ah, comment il voit que je vais lui faire, quoi. S'il te plaît. Lâche ta balle, bâtard. Not only did Coach Falls help him with his foundation as a player, but he also provided tremendous insight and advice into the world of basketball. Et vous voyez que l'énergie également, c'est plus du tout la même chose. Vous cramez beaucoup plus vite et vous pouvez pas continuer à courir une fois que vous avez fait toute votre jauge. Et pour les crosses, etc., vous voyez que c'est beaucoup plus lent. Et ça, franchement, c'est juste top. Ça, c'est top. Vous pouvez plus crosser à l'infini comme vous voulez avant. Et on va sortir. Et ce sera la fin de notre premier match. On va avoir 23 secondes à jouer. C'est dommage qu'on a lâché la paire de balles à la fin, là. Mais sinon, je pense qu'on était plutôt... Putain, lâche ta balle. Ah, dommage. Bon bah allez, hein. Ah, dommage. On a retiré à 3 points à la fin. Bon, je pense qu'on va rester choix de loterie. 8 points, 85 passes. Je trouve qu'il est passé, vachement vite ce match. Le seul truc, c'est que vous devez faire vos preuves très très vite quand même. Et c'est pas si facile que ça, surtout qu'avec un joueur à 55 ou 57 de moyenne. C'est pas la même. Alors là, c'est les recruteurs qui commentent ce qu'on a fait. Bon, ils nous taclent. Ah non, il est très efficace, il va vouloir avoir développé son propre jeu. Ça peut être sympa, ça. Pas très impressionné. D'accord, donc il y en a vraiment, ils ont pas vu le même mec. Hein. Je crois qu'il y en a, le mec il a dû se tromper. Simplement, et on reste choix de loterie. Tout simplement, choix de loterie, c'est théoriquement de la première à la 13e place, ou même 14, si je dis pas de bêtises. Et on va continuer, et on va se quitter sur la petite animation. Et on se retrouve donc pour le prochain épisode. Sur ce, ciao tout le monde. By then, it's 10% off every day it's late.
And make sure to work together on this. Don't let your partner take all the credit. It's only going to make the semester harder for you. Now let's get into today's lesson. I'm going to skip over what molecular biology is. You should have done your reading last night, so it should make more sense to you. Molecular biology deals with genetics and DNA, but it also focuses... Get some of that, man. You can't touch me in this game. I didn't mean to interrupt. Oh, hey. What's up? I just wanted to make sure you had your part of the biology project. Yeah, I got it. Awesome. Can I see it? Oh, of course. Yeah, sure. Here we go. Let's see. Should be in the cloud. Oh. Check your phone. Okay. Got it? Cool. Yeah, we're good. All right. Just to be clear, I wasn't trying to check up on you or anything. I just wanted... It's a group project. Yeah. No, don't worry about it. I'm sorry earlier for dozing off in class. We just had a late practice and... We're good. Don't even worry about it. It's not a problem. Yeah. I just didn't want you to think that I was a dumb jock or something like that. We're good. Don't make it awkward. All right. I forgive you as long as you bring the team to the title. Oh, really? Really? Yeah, my family's been big supporters of the team, and my parents get real cranky when they lose, so don't lose. It's simple, right? Yeah, simple enough, I guess. Yeah. So your dad was on the team? Or? Oh, no, my dad ran track. My mom played basketball. She's got a jersey in the drafters. Wow, jersey in the rafters. That's what I'm up against. Yeah, I mean, small, dainty shoes to fill. So, no problem, right? Good luck. Bye. Bye. Bye-bye. Uh-huh. Whew, I am going to miss you next year. What are you talking about, man? Come on, bro. You'll be pro next year. You think so? No, why would you stay for two? Well, I don't know. I honestly hadn't even thought about it yet. I mean, the draft is so far away, and there's still a lot of stuff to figure out. I mean, the season's long, right? Yeah, well, you better start thinking about it. I mean, this season is almost over. All right? Anyway. All right, let's get back to it. Yeah, back to it. And buckets. Thank you.